Le monde est ébranlé par la crise sanitaire due au coronavirus qui a éclipsé d'autres maladies, parmi lesquelles le sida. Or, demain 1er décembre sera célébrée la journée mondiale de lutte contre le sida. Nous avons rencontré le responsable de la jeunesse de l'association congolaise pour le bien-être familial à propos de la sensibilisation sur le sida à Pointe-Noire. On a l'ère du Covid-19 et donc il y a une restriction sur des choses à faire. Et donc pour la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, on aura des sensibilisations de masse que nous allons faire dans les écoles. Et donc ça va commencer du 1er décembre au 4 décembre. Donc du 1er au 3, ça sera les sensibilisations qu'on va faire dans les écoles. Et le 4, ça sera une conférence où nous allons parler du VIH-Sida. Et donc sur ces sensibilisations-là, nous serons obligés de respecter la limite de 50 personnes. Donc c'est maintenant aux responsables de l'école de voir dans quelle mesure nous donner plus de salles sur, de 50 élèves. Comme ça, nous, on pourra sensibiliser autant d'élèves que possible. Selon les études menées par le Conseil national de lutte contre le sida au Congo, CNLS, le taux de prévalence du sida à Pointe-Noire est estimé à 9,9%.